des animaux. Bonsoir les petits enfants, je suis content que vous soyez là. Ce soir, nous allons vivre un magnifique, je le pense, conte de fées. La vie des animaux. Venez avec moi, je vous emmène. Je vous emmène voir mes copains, les animaux. Ils parlent, vous allez voir, ils ont quand même des choses à dire. Vous allez voir. Chérie. Ouais, qu'est-ce que t'as ? Où est la voiture ? Je sais pas, moi. Tu sais pas ? Non ! Pétasse ! Alors là, pétasse, t'exagères. Tu me fais de la peine. Ouh, yeah. Lâche pas. Prends-moi là, vas-y. Là, oui, ils ont même pas mis leur parachute, mais ils s'en foutent, ces mecs-là. Plus vite, tourne, plus vite, vas-y, tends, ouais, génial. Ils ne valent ça mille temps, génial. Regarde bien, Bruno, là, tu prends cette pose, là, tu vois, concentre-toi, là, regarde, là, un légèrement efféminé, puis ta main comme ça, la main comme ça, là, voilà, comme ça. Ta main, plus bas. Le déconcentre pas, là, lève bien ton cou, sois majestueux, voilà, bien joué, voilà la photo. Ton bras, plus haut. C'est bien comme ça, là? Non, redresse-toi un peu, là. N'oublie pas, Bruno, qu'on fait la photo pour le magazine. Eh ben, pauvre magazine. Levez le doigt, voilà. Ceux qui veulent faire une photo, levez le doigt. Vous voulez, madame, vous? Elle, là, elle plaisante ou quoi? Attention, le petit oiseau va sortir. Souris! On regarde l'objectif. Ils sont pas beaux, là? Hein, photo. Eh, le photographe, tu sais ce que je te dis, moi? Regarde bien mon doigt. Voilà. T'es vulgaire, mon vieux, alors. Allez, maintenant, on va faire une série. On lève le pied gauche et le bras droit en même temps. Allez, on respire bien, hein, on tend bien les fessiers. Allez, et maintenant, on va changer de bras, le pied et le bras en même temps. Attention, changez. Bien, maintenant, on respire bien, on tend bien les fessiers. Respirez. Alors, écoute, mec, madame, qu'est-ce qui se passe, là? Allez, on lève tout ça. Allez, maintenant, on change dans le rythme, on fait une série, hein. Allez, on change, bras droit, allez, bras gauche, allez, bras droit. Allez, bras droit, monsieur. Alors, soulève tout ça. Alors, on enchaîne, bras gauche, bras droit. Allez, vite, on se concentre. Allez. Allez, madame, on a le cul qui fait frein. Allez, allons-y. Feignasse. Allez, on reprend. Et maintenant, on va soulever les deux bras et les deux jambes en même temps. Vas-y, bébé. Allez. T'es le meilleur. On y va. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on continue. 1, 7. Moi aussi je le fais, regardez, moi aussi je le fais, il n'y a pas que lui qui le fait. Moi aussi je le fais bien, regardez. Je n'aime pas qu'une petite pétasse me dise ce que je dois faire, c'est moi qui le fais le mieux. Je peux changer de bras comme je le veux, regardez, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu nous pompes l'air. Personne? Dans les environs, il n'y a personne? Très bien, je vais y aller. Papa, ne me laisse pas seul, papa. Gontran! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? J'ai peur. Tu as peur? Mais t'es grand maintenant. Allez-y. Non, comme ça, Jean-Louis, comme ça. C'est nul, ça. Plus rapide. Comme ça? Voilà, mieux. Vas-y. Michel! Attends-moi! Viens, y a pied ici, y a pied. Bouge pas, j'arrive. Je me noie. Tiens bon, allez. Mais Lucienne, tu n'as rien à faire ici, chérie. Tire-toi. Mais tu n'es qu'un menteur, je veux plus te voir. Tire-toi. Paulette, alors. Tu te manges. Ta gueule. Ouh, eh ben. Attention, gauche 38 degrés, arrière 24, changement des pivots. 46 degrés droite, moins 12 gauche, changement des tubulures. Attention, difficile, inversion des clapets. Bravo. On t'avait prévenu, hein. On te l'avait dit de pas bouffer ce gâteau. Il était pas frais. Fallait pas le bouffer. Dites donc, on pourrait pas avoir un peu de calme là, non? Arrête, se dit. On peut vraiment pas être tranquille nulle part, hein. Arrête. Toujours des emmerdeurs là, qui viennent de nous pourrir la vie, même jusque sur nos plages. C'est un monde, ça. Emmerdeur public! Va-t'en. Maman, pourquoi la dame elle est méchante? Pourquoi elle veut pas que je tape dans l'eau? Eh ben si c'est comme ça, moi je vais taper dans l'eau! Tiens! Là! Au feu! Ah, c'est incroyable!
Vous avez vu qu'il y a le feu? Mais évidemment qu'on l'a vu qu'il y avait le feu, ouais. Ça te fait peur, toi? Ça me fout vraiment les chocottes. Mmh. Thérèse, reviens. Non, je veux pas. Reviens. Je veux pas. Ah. Quand je lui ai dit « Prends la porte et barre-toi », il était... Oh la vache, il était complètement hors de lui, quoi. Maman, je suis derrière toi, là. Attention, maman. Et alors, quand il est reparti, il en prend ses poires. T'es lourde, maman. On tend bien les bras, on ne bouge plus. On retient bien sa respiration. Attention, 3, 4, on respire, on se remet en position. On lève une jambe. Allez, plus haut la jambe, plus haut. On se remet en position. On tire là-dessus, tirez-moi là-dessus. On ne bouge plus. On respire, on tend bien les fessiers. Et maintenant, on se relâche en s'étirant. Doucement, voilà. Voilà, comme ça. Doucement, respire bien, respirez surtout. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Mais c'est très, très... Oh, bah dis donc. Et regardez-moi ce que je vais faire. Et tac, tac, tac. Et maintenant, on accélère. Tac, 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 mon amour, embrasse-moi. Oui, oui, c'est moi. Embrasse-moi. Oh oui, c'est bon. Oh, j'adore quand tu m'embrasses, embrasse-moi. Embrasse-moi, mon amour. Là. Et moi aussi. Là. Et là, t'aimes ce que je te fais sur les fesses, là? T'aimes ça? T'as vu? Ce que je t'ai fait sur les fesses. Embrasse-moi, là. Oh, arrête! Qu'est-ce que t'as bouffé, toi, à midi, là? Un baiser, là, oui, je veux bien, oui. Non. Un baiser, oui, voilà. Non. Bon. Non. Un baiser. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Je te dis de m'embrasser, là. Non. D'accord. J'y peux rien, moi. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Oui, vraiment. Je t'adore. Alors, embrasse-moi. Écoute, Françoise, depuis que je te connais, je ne pense qu'à une chose, c'est de t'embrasser. Alors, t'es dans la lune, là, ou quoi, là? Tu veux pas m'embrasser, non? Un petit baiser, là? Biche, oh ma biche, pourquoi tu caches, rap sous un foulard, tes jolis cheveux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce fou, là? Biche, oh ma biche, tout le lycée... Tu sais ce qu'il dit, le lycée? Taratata. Cutéreux. Eh ben, que Dieu bénisse les cutéreux. Oh, la vache. Oh, c'est drôle. Je suis contente. Youpi. Allez, on va se faire une bonne série de pompes, là. Allez, ça va nous faire du bien. Allez, on commence. Allez, on tire bien, hein. On y va. Allez, hop, la première, on y va. On respire bien, on s'énerve pas. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Allons-y, on s'arrache, allez. Un, ouais. Allez, deux. Allez, on enchaîne. Trois. Allez, continue. Quatre. Allons-y, cinq. Alors, monsieur, là, continuez, gros feignant. Regardez vos petits camarades, là. Allez, ça peine, là, on y va, le grand, là, vas-y. Allez, voilà, pop. Alors, là, le monsieur, là, qu'est-ce qu'il fait, là, le grand feignant, là? Allez, il tire sur ses bras, là. Oui. Allez, deux. On enchaîne, vite, les enfants, vite. Jure, chérie, j'ai rien fait. Regarde, je me prosterne à tes pieds, chérie. Regarde, je te demande pardon, chérie. Pardon, j'ai mal. Très mal. Chérie, j'ai mal. Je m'en fous. Pourquoi tu t'en fous? Parce que... C'est injuste. J'ai rien fait. Rien fait. Parce qu'une de tes amies m'a fait de l'œil. Il faut que je paye et que je rentre tout seul, comme d'habitude, tout seul. Eric, viens. Où tu vas? Attends. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Blah, 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 blah,
Lâche-moi, là. Ouais. Vous êtes prêts? Maintenant, je commence. Alors, attention. Attention. Eh ben, t'as vu? Ben, j'ai plutôt entendu, quoi. Mais si tu veux mon avis, elle est plutôt limitée comme diva. Les paix, les pros, on a le droit, mais il faudrait quand même pas en abuser, quoi. Ça sent pas très bon, en plus, hein. Interdiction de péter. Mais t'es au courant, y'a Armel et Moulou qui ont pété les plombs. Ils ont piqué un flingue à un flic. Un flingue? Et puis depuis, ils menacent tout le monde. Tu les connais mieux que nous, je crois que tu pourrais les calmer. Je vais leur parler. Oui, mais méfie-toi parce qu'ils sont armés. Fais attention, hein. fais attention. Ils sont où, là? Hein? Jackie, ils sont là. Oui. Ils sont là. Oui. Regardez, ils sont là. Vas-y, vas-y. Que je... Non, mais ça va pas, la tête ou quoi? Moi, j'ai rien fait, moi. Casse-toi, Mouloud. Quoi? Tu veux prendre une balle dans la tronche? Tiens, voilà. J'en ai marre de cette cité, j'en ai marre des coffres. Regardez, regardez. Je vais tirer sur le premier qui bouge. Attention, attention, je vais tirer, là. Non, mais c'est pas fini, vos conneries, là. Non, mais c'est vraiment honteux pour la cité, vraiment, hein. Elle est pour qui, la prochaine? Hein? Qui c'est qui en veut? Qui c'est qui veut y goûter, là? Non, mais ça va pas à la tête, quoi, espèce de voyou, va? Connard! Quoi? Pédé! Ta mère! Tête de nœud! Tête de mort! Oh, fils de pute! Oh, nique ta soeur! Bravo! Ta gueule! Un joli vocabulaire, la banlieue, vraiment, un joli vocabulaire! Oui, j'aime bien ton cul, j'aime bien toucher ton cul. Là, j'aime bien, je te chatouille, hein. Là, j'aime bien les chatouilles, le crâne, les chatouilles, la petite dent, là-haut. Gilbert? Gilbert! Il me semble vous avoir dit et répété qu'il ne faut pas manger avant d'aller vous baigner, mon ami. C'est très dangereux, vous risquez l'hydrocution. Mon Dieu, faites que les garçons ne soient plus obligés de mettre des capotes pour faire l'amour avec les filles. Tu sais, Laurent, j'y peux rien. C'est plus fort que moi. Il fallait bien que ça finisse tous les deux, un jour. Ne me touche pas, Laurent. Tu sais bien que ça ne sert à rien. Ne m'embrasse pas, ne m'embrasse pas, non. Bête. Laurent, je suis obligée de te dire adieu. Adieu donc, je m'en vais. J'ai laissé des petites affaires dans la... Attends, j'ai glissé, Laurent! Laurent, j'ai glissé! Tout le monde est caché? Non, je sais pas. Bon, bah alors, je compte jusqu'à 40, alors je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Bravo. Si j'en rajoutais un petit peu comme ça sur le côté là, qu'est-ce que t'en penses? Essaye un peu plus loin là, ouais, comme ça. Comme ça? J'espère qu'il est bien, mon chapeau, là. Regarde celui de Robert, là. Et tac, le chapeau. Il est beau, ton chapeau. Tiens, moi, je vais m'en mettre une là, tiens. C'est là qu'il faut mettre, là. Mais j'en ai rien à foutre, je la mets là, moi, tu vois. Mais arrêtez! Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et voilà, le ménage est fait, là, comme ça. C'est pas vrai, mais moi aussi, hein, je peux le faire. Je peux le refaire aussi. Attends. Oh merde. C'est pas pour ce coup-ci, hein. La mer était démontée, une énorme vague le pousse à l'eau. Il tombe à l'eau, mais il était courageux, il remonta sur le navire. Et tu sais comment il mourut? Non. Il se noya dans un verre d'eau. Oh là là. Vas-y, Simon, chope-la, vas-y. Ouais. Alors attendez. Oh la vache. Attendez. Oh non. Attends, je la prends là. Non. Schlac. Action. Allez-y. Plus longue la balle, Lola, c'est... 1-0. Service. Il pisse sur un arbre. Incroyable. T'as vu? Mais il y en a plein qui font ça. Maintenant, c'est un phénomène de mode. Ah bon? Et youp là là! Aïe! Oh!
Et merde! Aïe, aïe! Au secours! Au secours! Ça vient! La voilà! Alors là, je suis content, j'ai fait ma crotte du matin, je suis content! Ouais, 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 ouais! J'ai rien fait, monsieur, je vous jure, j'ai rien fait! Oh non, monsieur, non, monsieur, non, non! Arrivé des animaux! Agitez les bras, agitez bien comme ça, voilà, comme ça, comme ça, vous agitez les bras, comme ça, voyez, comme ça, voilà, vous agitez gauche, droite. Allez, un petit peu de démocratie, on alterne, allez, on y va, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Attendez-moi, attendez-moi, je pédale dans ce putain de pétrole, mon père, oh putain de pétrole, j'arrive vraiment à la pollution, les verts, bravo les verts. Silence. Ah merde. Grand chic. Connard. C'est moi le connard, monsieur. Ouais, toi. Et pourquoi, s'il vous plaît, je me demande... Pourquoi? Parce que t'es con. Tu te laves comment, toi? Bah comme ça, puis comme ça, puis encore comme ça, quoi. Ah ouais? Bah tu vois, moi je fais plutôt comme ça. Ouh. Tu vois, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-moi, attends, dis-moi. Attends. Hein, regarde, quoi, regarde, t'as vu ce que j'ai là? Tu vois ce que j'ai là? Regarde bien, regarde bien. Tu vois? Arrête! Eh ben voilà, je demande le divorce! Mon gros salaud, j'en peux plus, moi, c'est fini! Ça y est, ça recommence, encore une fois. Oui, ça recommence! Si tu crois que je t'ai pas vu faire des trucs avec la bonne dans les coins! Oh là là. Eh ben tu lui demanderas à ta pute de ramasser tes vieux calbars! Oh, merde. Dehors, les émigrés, les arabes, les noirs, les noirs, les dehors, hein, dehors. Hein? Ouais, ouais, parce qu'ils bouffent le pain des Français, moi j'en ai marre de bosser pour rien, j'en ai marre, hein, j'en ai marre. Tu souffres, hein? Ouais, j'en ai marre. Avec ma ginette, nous on vote à droite, hein, un ginette, on vote à droite parce qu'on en a marre, hein, d'être bouffé le pain des Français, hein, j'en ai marre, on y a la même. Ouais, un ginette, on vote à droite, nous. La classe. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? La classe. La classe, elle t'emmerde. Blanchette de mes deux. Y a quelqu'un qui a marché dans la merde? En tout cas, pas moi. Touche avec les deux pieds, là. Attention, là, moi, je vais te toucher. Je te touche. Tu triches, t'es pas dans la ligne. Attends, attends, nom de Dieu. Vas-y. Et accroche-toi à la branche. Là. Accroche-toi. Par là. Celle-là? Oui! Ok! Accroche-toi, vas-y! Voilà, bah c'est pas mal! C'est pas mal! Ouvre plus la bouche, là! C'est dur! Oh, tu parles, c'est dur! Oh, merde! T'es con, quoi? Regarde ce qu'il fait, lui, là! Comme ça! Bien large, comme ça! Comme ça? Voilà! Et alors, pour ton souvenir, tu le notes, hein! Vas-y, comme ça! Et puis, comme ça! Comme ça? Non, pas comme ça, t'en fais trop, fais-en moins. Juste un peu, vas-y. Alors comme ça, putain, oui, non. Bravo, c'est mieux. Tu me cherches, toi? Je veux que tu vas t'en manger une. Mange ta mère. Tiens, et retiens, et tiens, tiens. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Oh, c'est pas vrai? Mais t'es grosse! Tu te trouves? T'es obèse! Si on veut. Mais t'es énorme! Pourquoi tu dis ça? Comment tu t'appelles? Jean-Luc. Alors écoute-moi bien, Jean-Luc. Elle a le droit d'être grosse! Mais elle a pas choisi, c'est venu comme ça, voilà! Oh, mais si on n'a plus le droit de rigoler, alors... Ouais, se moquer des autres, c'est facile. Et toi, tu t'es regardé? Une connasse avec son plumeau là sur la tête. Tu sais à quoi tu ressembles? Un balai de chiottes. Oh, oh là. Patrick! Fais attention! C'est dangereux! Mais je t'emmerde, moi. Patrick! Oh, quel con! C'est dangereux! Arrivez des animaux! Mais pourquoi tu fous rien à l'école? Tu passes ton temps à faire des conneries, là? Hein? Je sais. Ton père et moi, on n'est pas contents. Non, mais mademoiselle préfère traîner toute la journée avec sa bande de dégénérés. Hein? C'est vrai, Sylvie, quoi? À fumer du hashish, à voler des mobilettes. Oh.
C'est du propre, tiens. Vraiment, je te jure, hein. Et moi, je t'ai vu, je t'ai vu, je l'ai vu flirter avec le fils Roulon, je l'ai vu. Mais c'est pas une raison pour sécher les cours. Non, mais c'est vrai. Elle flirte en plus. C'est le bouquet, avec le fils Roulon, cette espèce de petit branlotin, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, vraiment? Il va la foutre en cloque, voilà. J'espère que tu prends la pilule, hein. Là. T'as vu? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a déshabillé. Eh ben, dis, tu vas pas mou, hein. Là. Et hop là, le judo, ça me connaît, moi, et hop là. Regarde-le, le frimeur. Je parle pas au trou du cul de ton espèce, moi. Trou du cul toi-même. Espèce de tariva. T'arrêtes toi-même. Et je vais prendre un sauciflard comme ça, je vais te le foutre dans la tronche, tu vas voir. Eh ben viens. Viens. Regarde-le, cette tête de con. Si tu savais comme je te méprise. Tu me méprises? Les pousses, mes goûts, les alcoolos, moi j'en chie tous les matins. Et ça t'emmerde pas de me glavioter dessus? Vieux con. Réac. Je ne suis pas réac. Un beurre, oui. J'aime pas qu'on me crache dessus, c'est tout. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Je veux monter sur le caillou. Il est incroyable. Il commence à me prendre la tête, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais monter sur le caillou. Germaine, tiens-toi, ça coûte de toi qui fais ce cinéma, là. Monter sur le caillou. Ah bah dis donc, vous avez vu mon père ce qu'il a fait là? T'as... Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je suis sur le caillou, papa. Je te signale que je suis sur le caillou, papa. Bah non. Fais tes mouvements beaucoup plus rapidement. Oui, comme ça, voilà. Voilà, c'est mieux ça. Fais gaffe. Tu vas boire la tasse. Ça va pas, non? Mais j'ai froid, écoute. Allez, vas-y. Non, j'ai froid. Ah! Putain, si je t'attrape, toi. Attends, voir, là. Hein? Où tu vas, là? Où tu vas? Mais c'est un scandale, on pratique plus l'art culinaire. Vas-y, chérie, raconte-leur la recette du dessert, celle que tu m'as fait l'autre soir. Vas-y, chérie, n'aie pas peur, raconte, vas-y. Écoute, d'abord, j'ai pris de la crème au chocolat. Vous allez et voir. Puis, dessus, je crois que j'ai rajouté de la moutarde. Et puis, après, j'ai rajouté un peu de saumon. Hein, juste un peu de saumon. C'était bon. C'est dégueulasse de mélanger de la moutarde et du chocolat. T'es sûr? Ah ouais, je suis sûr, ouais. Et du saumon. Et c'est de qui, la recette? De lui. Mais j'avais dit de la confiture, pas de la moutarde. Évidemment, ça, c'est pas la même chose, quoi. T'en penses quoi, Germaine? Tu me fatigues. Même pas capable de te faire cuire un œuf, alors vraiment. Tu vois. Mais le café, c'est moi qui te le fais. Mais bravo, oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bu? Y a plus de boue, moi, je suis complètement pété. Oh la vache! Oh putain, qu'est-ce que c'est bon le goût que ça a, ce truc putain de merde! Papa, il paraît que t'as voté pour le Front National, mais papa, t'es complètement dingue, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Papa, t'as voté pour le Front National, papa. Si tu continues à m'emmerder, je te fous une paire de claques. Alors c'est ça ta réponse? Alors vous avez entendu, les gars, ils votent pour Le Pen. C'est vrai que tu votes pour Le Pen? Je n'ai pas à te répondre. C'est tout. Mais qu'est-ce que vont dire les voisins? Les voisins, ils ont pas intérêt à me faire chier. C'est compris? Mais enfin, papa, c'est pas de la faute de tous les Arabes. Il y a une bombe qui a pété dans le quartier, enfin, il faut pas exagérer. Ah ouais? Alors c'est la faute à qui, alors? Au grand méchant loup, là. Oh merde! Et toi là, qu'est-ce que tu votes? Il doit voter à gauche, lui. Il vote à gauche, hein? Il vote à gauche, hein? Tu dois voter à gauche, toi. Il vote à gauche, c'est sûr, il vote à gauche. Celui-là, c'est tes copains, les Arabes. Il y a plein de misère dans le monde, des gens qui crèvent la faim. Et nous, on fait quoi? On fabrique des bombes, mon pote, on fabrique des bombes. Alors l'islam, d'accord. Mais c'est l'abbé Pierre ou quoi, là? Mais enfin, il faut pas pousser quand même, tous les Arabes, ils sont pas mauvais, il y a qu'à regarder autour de nous. Eh ben moi, j'en vois pas. Eh ben moi non plus, Ils sont où, là? Les bons Arabes, ils sont où? Les bons oui, Arabes sont... Hein? Vous devriez avoir honte de dire ça. Là, il a raison, le fiston. Avec toutes ces conneries, je sais même plus quoi voter, moi. C'est vraiment moche. Regarde-moi le tissu que tu m'as foutu, là. Quoi? Mais t'as vraiment un goût de chiotte, ma petite, hein? Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai jamais demandé ça. Mais écoute, je t'ai jamais demandé de m'acheter cette espèce de canapé, là, affreux que tu me mettes devant ce tableau-là, qui est laid, qui est vraiment laid. Alors? Quoi? La déco est nulle.
Ça, t'as raison, les nuls. Regarde-moi ces deux vases-là. C'est nul, ça. C'est... Ah, j'en peux plus. J'en ai marre. Ils sentent même pas ce qu'ils veulent. J'en ai marre. Regardez-le. Il se fout de ma gueule, là. Franchement. Regarde, qu'est-ce qu'il a, mon tissu? Qu'est-ce qu'il a? Alors, son tissu? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, bah, mon tissu, hein? Mon tissu que j'ai, oui, que j'ai payé! En plus! Non, mais franchement, qu'est-ce que tu penses des rideaux? Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as acheté où, ça? Chez Tati? Hein? Et passe-moi ce vase. Passe-moi ce vase. Passe-moi ce vase. Je te dis, me passe ce vase. Ou alors? Moi, je gratte. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Maintenant, le vlac qui demande conseil à sa quéquette. On aura tout vu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faux cul? Oui, faux cul. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons dépassé les 3 millions de chômeurs? Non, c'est pas vrai. Tous les impôts, on peut plus les payer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi? Je pense comme toi, moi. Moi aussi, je veux pas payer. Ah, si on parlait des affaires. On sait bien qu'on peut pas tout dire. Ça nous empêche pas d'en avoir plein le cul, quand même. Ça vous plaît, ça? Tu parles, oui. Bah, vous qui êtes quand même quelqu'un de réfléchi, de sensé, qui pensez, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Je suis pessimiste. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai envie de se bouffer. Arrête, hein, ça suffit. Hein. Eric! Tu crois que je t'ai pas vu? Ça tire. Il est pas là, vite. Vas-y, ah, si ton mari nous voyait. Fais gaffe, on nous regarde, là. Tu vois le type, là? Ouais, allez-y. De quoi je me mêle? Allez-y. Arrivez les animaux! Oh, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous et vous êtes... Dis-moi, tu pries? Ben oui. Mais c'est bien, mon fils. Continue. Vas-y, continue. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est de ma faute. Mais ne dis pas ça, écoute. Allez. J'aurais pas dû, quoi. Allez, calme-toi, là. Je suis coupable. Calme-toi. Allez, là. Là, non, non, là. J'aurais pas dû, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que t'aurais pas dû? Mais qu'est-ce que c'est que ce coupable? J'aurais pas dû. Hein, t'y es pour rien. T'y n'y es pour rien. Tu te souviens quand t'étais petit que tu faisais pipi au lit? Eh ben, c'est pareil, faut pas que tu te culpabilises. Tu vois, j'en ai marre. Je fais tout ce que je peux pour elle et j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas, quoi. Pourquoi elle t'aime pas? Mais je sais pas. Oh. Je te jure, je sais pas. L'amour. La passion. Tu parles en amour, il y en a toujours un qui s'emmerde et puis l'autre qui souffre, voilà. Mais enfin, vous savez bien que l'amour est aveugle, quand même. Quoi? Mais qu'est-ce qui me chante, là, lui, là? Pourquoi pas sourd et muet, hein? Ça serait peut-être mieux, oui. Oh, défaitiste, hein. Oh là. Un déçu et un de plus. Hop. Mais pourquoi il est déçu, le monsieur? Sa femme l'a quitté. Oh. C'est pas elle qui m'a quitté, c'est moi qui l'ai quitté. Une nuance. Mais pourquoi? On s'en fout. Et c'est moi qui m'occupe de mon fils, maintenant, voilà. Et c'est vous qui lui donnez le biberon et qui lui changez les couches? Bon. Attention là. Ah la génial. Oh là là là. Alors regardez, vous mettez ça là bien là, puis alors tu d'un coup ça vous prend. Et tac. Et j'en prends une et je vais faire la même chose moi. Là. Va voir ta mère toi. T'as vu comment ça a poussé, tout ça? Regarde-moi ça. Qu'est-ce que ça a poussé, nom de Dieu? Oh là là. Puis maintenant, il va falloir le couper, quoi. Oh, il y a du boulot, hein. Ginette, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a les frères Dupont qui se touchent, Ginette. Pas vrai? Je te jure, il se touche le cul, il lui met un doigt, j'ai dit. Les frères Dupont? T'es sûr? Hé! Hey! Vous voulez mon doigt? Arrête de faire ça! Faire là! Là! Et là! Vas-y, allez! Allez, vas-y! Je préfère partir, hein. Voir ça vraiment! Et hop!
Et voilà. Quoi? Eh ben, dis donc. Alors là, c'est incroyable. Qui c'est qui a pissé dans l'eau, là? Tu sais que t'es belle, toi? Égoïste. Merde. Et si je l'avais reçu sur la tête, petit abruti? Ouh là là. Non, mais vous avez fini de... vous foutre de moi ? Puisque c'est comme ça, je vous coupe les vivres. Plus un sou ! Aïe. Alors, c'est bon ? La crème ? Égoïste ? Hein ? Égoïste ? Mais te gêne pas ! Tu peux pas faire un peu moins de bruit, non ? Avale, avale. Tu sais ce que t'es ? Une salope. Non, vous êtes trop près, là. Reculez-vous, vous êtes trop près. Vous, reculez-vous. Comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Comme ça? Bon. Vas-y. Une salope. Allez, vas-y, Suzanne, vas-y. Et toi, t'es... un con. Salope. Plus fort. Salope. Plus fort, je te dis. T'es qu'une salope. Voilà. Voilà, salope. Oh, elle est belle, la France. Hein? Robert! Quoi? Regarde. Ouais, ouais, oh, le bébé. C'est ton fils. Mon fils. Tu me l'avais pas dit. Salope. Coucou, papa, coucou. Un fils. Quelle horreur, le monde. L'ozone, il n'y a même plus d'ozone. Je vais crever avant... d'être né. Avant d'être né. Papa, la terre, vous l'avez vraiment polluée. La barre fixe, ça me fait pas peur, moi. Qu'est-ce que t'as ? À me regarder comme ça. Je t'aime. Encore l'amour. Arrête, arrête de faire de la plaisanterie, hein, avec la mort. Excuse-moi. T'as couché avec elle? Chérie, 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 je suis là. Je le vois, oui. Chérie. Comment le gars tu fais? Tu smells like this? Bah, oudi, wadou, doudou. Tonton, est-ce que je peux te mettre le doigt dans la bouche? Tu chanteras mieux comme ça. Regarde, vas-y, chante. Bonjour, ça va? Hé, Raymond, le type qui est en face, là, c'est pas le mec qui sort avec ta fille? Et alors, j'ai pas le droit, peut-être? Si tu veux mon avis, il a l'air louche, ce type. Tu devrais aller prévenir les flics, là. Oh non, monsieur, pas les flics, par pitié. Des animaux! D'accord. Dis-moi, papa. Ouais. Comment tu trouves mon slip de bain? Je le trouve un peu serré pour un slip de bain. Enfin, s'il te plaît, remarque. T'as pas fini de tripoter le gosse? Il a attrapé des poux à l'école et à mon avis, tu dois en avoir. Manquait plus que ça. Je serais toi, je vérifierais. Oui, mais toi, t'es pas moi. Ah, tu connais le cinéma, toi? T'as vu Le Mépris? Pourquoi tu me poses cette question? Évidemment que je l'ai vu, Le Mépris, mon pote. Quelle est la vedette principale? Brigitte Bardot. Mais je le savais, ça, c'est vachement facile, ça. Alors, dis-nous le nom du metteur en scène, par exemple. Ouh, alors ça, c'est une question dure, hein. Je l'ai sur le bout de la langue. Alors, c'est qui? Roger Vadim. Oh non, hé. Écoute, elle est vachement dure, là, ta question, tu vois. Luc Besson. Oh non, pas du tout, là. Alors, c'est qui? Hé,
T'as vu, Pierrot, il est fou, hein? C'est Jean-Luc Godard, voilà. Facile. Oui, enfin, c'est facile parce qu'il te l'a soufflé, mais enfin, puisque tu connais très très bien le film, dis-moi quel est l'acteur principal. Je crois que c'est Michel Piccoli, non? Piccoli et son beau chapeau, il est excellent. Quand Bardot lui dit, tu préfères mes seins ou la pointe de mes seins. Elle lui dit ça dans le film. Mais dis donc, t'es tout seul. Elle est où ta fiancée, là? Je crois qu'elle est juste derrière, là. La grande, là? Oui, la grande. Hé, hey, regarde ce qu'il a dans les mains, mon pote. Une matraque. Mm-hmm. Alors maintenant, t'es gentil, tu vas nous donner ton nom. Smith. Et ton prénom. Johnny. Et c'est bien toi qui chante du rock'n'roll? C'est moi, oui. Tu vois la Harley, là? Laquelle? Celle-là. Ah, celle-là, oui. Ah ouais, tu la reconnais? Mais je l'ai jamais vue, moi. Regarde-la mieux. Je la regarde. Non, mais tu te fous de notre gueule ou quoi? Mais non. Vas-y, fous-lui un coup de matraque, il l'a mérité, vas-y. J'ai rien fait. T'as rien fait, tu l'as volé. C'est pas vrai. Tu dis que tu t'appelles Johnny Smith? Réglez-la, Johnny, regarde-le. Et la moto qui est là, c'est sa moto. Alors maintenant, tu tends la main. Tends-la mieux. Arrêtez. Vas-y, frappe-le, vas-y. Eh ben, quoi, eh ben? Qu'est-ce que tu veux dire par eh ben? Ben, rien, quoi. Toi aussi, tu te fous de ma gueule, là? Réponds. Mais non, Hé, hey, tous, là, vous avez pas honte? Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu La Guerre des Étoiles? Le quoi? La Guerre des Étoiles, le film. Le film? Ben alors, regardez autour de vous, ça, c'est votre vaisseau spatial, vous êtes les mauvais. Les mauvais? Non, mais au cinéma, parce que c'est les Américains qui vous imitent. Dans un film de science-fiction américain, par exemple, vous jouerez les méchants. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais vous vous êtes regardé, vous avez vu l'état de vos dents? Mais elles ont quoi? Eh ben, elles sont pourries. Voilà. Pourri? Et alors? Paye-nous le dentiste, connard! Je t'aime, poupée. Tu m'aimes? Ouais. Pédé, toi-même! Alors là, le texte est mauvais, je n'ai jamais entendu une histoire aussi conne que ça! Quoi? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, là? Pourquoi il me regarde comme ça, lui? Regardez. Vous savez ce que c'est? Un Picasso. Exact, une toile de Picasso. Pas facile à comprendre. Hein? Vous voyez où est la bouche? Dites-moi, monsieur, vous faites du naturisme ou du nudisme, vous? Mais cher monsieur, on fait du nudisme intégral. Et vous, monsieur? Vous, monsieur, oui, vous. Ça vous dérange pas d'exhiber comme ça vos parties génitales? Quand vous passez à table, vous mettez un slip? C'est vrai. C'est pas beau, t'as vu? Je m'en fous. Non mais il est vrai que c'est pas toujours très esthétique chez vous. Mais regardez par exemple chez la femme. Regardez, madame, vous par exemple. Regardez, vous n'avez rien. C'est joli. Regardez, mais soyez pas timide, regardez, madame. C'est propre, c'est nickel. Regardez-moi ce qu'il fait, le jeune homme, là. Regardez-moi ça. Jeune homme. Oh, tu crois qu'on t'a pas vu, là? Oui. Et puisque c'est comme ça, vous allez me cacher votre zizi. Voilà, cachez-moi le zizi. Cache-moi ton zizi, toi. Voilà. Mais maman, je veux pas y aller à l'école. Maman. Oui, je sais, mais il faut y aller. Allez, mais je veux pas y aller, maman, j'aime pas beaucoup les maîtres. Au revoir, mon grand. Avance, allez. Moi, allez, rejoins tes petits camarades. Allez, mon chéri, allez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, vous utilisez des contraceptifs. Ce qu'on appelle des capotes anglaises, oui, Des capotes, oui. Des capotes. Oui. Vous en utilisez, vous, parce que pour régulariser les capotes. Les enfants, par exemple, quand vous avez beaucoup d'enfants, donc. Et alors? Bah oui, non, mais vous avez beaucoup d'enfants, donc pour. Avec mon mari, je. Pour arrêter d'en faire, vous mettez des capotes, des préservatifs. Mais je vous dis jamais. Mais vous pouvez avoir une aventure, quelque chose d'extra-conjugal, ça peut arriver, non? Un amant? Oui, je dois vous le dire, ça m'est arrivé. À toi? Avec qui? Ben. Avec lui. C'est pas vrai. Et puis t'avais pas mis de capote, hein? Vas-y, shoot. Vas-y. Non mais t'es con, quoi? Dans le public, la balle. Joueur de merde, va. Oh, écoute, c'est pas de ma faute. J'ai pas réussi à la contrôler. On va pas en faire un fromage, non?
Mais t'es payé pour marquer des buts, nom de Dieu de merde, là. C'est pas beau, ça? Et ça? Contrôle de la poitrine, et hop, la balle, et hop, elle redescend. Je la bloque avec le pied, hop, là, et là, hop, là, tuc, et un petit dribble, là. Dribble de merde, oui. Un petit jonglage? T'es bon pour le cirque, là, oui. Et hop, là, et maintenant je shoot. Vas-y, tête de nœud, shoot, vas-y, vas-y, et merde. Quel est l'abruti qui m'a tiré dessus? C'est moi, le grand buteur de l'équipe. Je vais te montrer comment je te fous un pain, moi. Qu'est-ce qu'il a, là? Je vais te montrer comment je marque un but. Regarde bien le pain que je vais te mettre dans la tronche. Essaye de l'arrêter, ton mal, cul. Hein. Vas-y, vas-y, attention, je te mets un pain. Tu vas voir l'enfer de mon pain, mon pote. Belle équipe de France. Tu crois que tu m'impressionnes, là? Vas-y, Jean-Louis, pète-lui la gueule, là. Vas-y. Il est sorti avec ta femme. Il t'a rendu cocu. Vas-y, putain, vas-y. Allez. Viens là, mais j'ai rien fait. Tu m'as trompé avec ma femme. Tu m'as trompé. J'ai couché avec elle, mais qu'une fois. J'ai couché avec elle qu'une fois. Et alors, qu'est-ce que c'était bon? Eh ben, dire que c'était les meilleurs amis du monde. Bonjour, mesdames. Est-ce que vous payez des impôts? Mais évidemment qu'on en paye. Ça, on les paye. Ils n'ont pas diminué. On nous l'avait promis, alors on a voté, puis la TVA, tout ça, ça a augmenté, puis les taxes, tout ça, pour les familles sans moyens, c'est vachement dur, moi je vous le dis. C'est vraiment un scandale, quoi. Un scandale, Mais mesdames, vous avez entendu ce qu'a dit notre Premier ministre? Et alors? Qu'est-ce qu'il dit, là? Il a dit qu'il fallait quand même faire un effort, qu'il fallait redresser la France. Il est sympathique, Mais je me demande s'il se rend compte des efforts qu'on fait, nous. On travaille comme des bœufs, et quel intérêt? Moi, j'ai un pote à côté, il en a ras-le-bol, Il paye plus ses impôts, C'est pas bien, Bah oui, mais où il va le pognon? Parce qu'on se crève le cul, nous, faut pas... Mais monsieur, tout le monde doit participer à l'effort national. C'est comme ça qu'on sauvera la France, pas autrement. Eh ben, on prend pas le bon chemin. D'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener le général de Gaulle, oui. Quand j'embrasse un garçon, je fais comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et après, je mets la langue, comme ça. Comme ça. Roule-moi une pelle, mon amour, roule-moi une pelle. Viens. Regardez, il se bécote. Assez malin, Alors maintenant, les petits-enfants, vous allez vous coucher, parce que la suite du programme, c'est vraiment pour les grands. Les très grands. D'accord, alors je vous laisse avec le carré blanc. Alors elle est arrivée, puis elle m'a dit, tu vois, dans le creux de l'oreille, elle m'a dit un truc, qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils baissent là. Ils sont capotes. Ça vous dérange pas trop de vous rincer l'œil là? Oh, il m'excite là. Non mais ça va pas, Julien, c'est vraiment pas le moment. Ce jour, j'ai vraiment pas envie, non. Mais surtout, il y a du monde. Non, alors vas-y, tout doux. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que votre exhibition n'est pas tout à fait au point. Si vous regardez les EHPAD du couple d'à côté, vous prenez des leçons. Ah bon? Mais alors, première leçon, d'abord tu t'accroches bien, puis tu lâches pas, tu vois. Oh mon amour, tu devrais prendre des leçons, parce que j'ai l'impression que tu ne me prends pas très bien. Non? Hé! Vous avez pas fini de vous bécoter, non? Deuxième leçon, tu prends le rythme. Du binaire, fais-moi du binaire. Prenez, bon fais-moi rythme. Du binaire. Là, comme du ça, binaire. Bien africain, là. Voilà, comme ça, là. Troisième leçon, alors là... Attention, parce que tu me fais mal, là, attention! Troisième leçon, tu cries... C'est démon, Regarde! Mais c'est ta femme, Lucien, ça! Mais t'as raison, c'est ma femme! Avec ton ami René? Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais elle lui roule une pelle, là! J'ai l'impression, oui! Elle se fait plotter les nichons, là! Ah, ils se gênent pas, oui, ça! Mais c'est vraiment une salope! Oh! T'as vu, elle lui taille une plumette là? Ah, je vois, oui! C'est fou ça! Oh. Et en public? Oh! Ah, c'est chaud, hein? Ah, ta femme, elle est chaude, hein, vieux! Oh là là! Scandale! Arrête! Oh là là! Alors, comment qu'il va le cocu, Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu la baisses, ta femme, toi? Quoi? Tu la baisses, ta femme? Coquille. Mais qu'est-ce que c'est que cet empafé-là? Tu sais ce qu'il me veut, lui? Il dit que ta femme, elle me le cul, quoi. Voilà ce qu'il dit, il dit ça. Mais oui, il le dit. La prochaine fois, tu t'en occuperas de ta femme. C'est vrai? Ouais, elle est lesbienne.
Elle est goudou? Mais ouais, elle brûle du gazon, mon pote. Tu l'avais pas aperçu? Tu mens! T'as jamais aimé Sylvie? Si je me retenais pas, tu prendrais mon poing dans la gueule! Oui. Tu passes ton temps à colporter des conneries, espèce de menteur! Quand même dingue d'être un menteur comme ça! Mais qu'est-ce que c'est que cet abruti là? Mais tout le monde le sait que ta gonzesse, elle aime le saute-mouton! C'est pas vrai! Alors là, je te préviens, ça va chier! Ça va chier! Non mais vous vous rendez compte dans quel état vous vous mettez? Tout ça pour une histoire de brou de gazon, c'est vraiment ridicule! Enfin, vous les aimez pas, les lesbiennes? Alors, tu les aimes, les lesbiennes? Ta gueule! Connard! Hé, hey, Patrick, qu'est-ce que tu penses de la télévision, toi? Qu'est-ce que t'en penses? De la télé? Ouais, tu la regardes, tu me laisses répondre. C'est une question piège, ton truc. Évidemment, je la regarde, la télé! Mais il te demande ce que t'en penses! Et moi, je te demande si ta mère, elle pisse bleue, peut-être, je te le demande. Ouais, écoute, arrête! C'est pareil. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, là? Arrête, pourquoi? Avec ton petit air suffisant, là, tout ça, parce que je regarde du cul à la tête. Et qu'est-ce que tu fais quand tu regardes ça? Eh ben, je me touche la quique. Oh, c'est pas vrai! Il y a le petit qui écoute! Maman! Il en a entendu d'autres, hein. Tu pourrais pas me faire un petit sourire, là? Eh ben, tu vois. Quand tu veux. Monsieur! Monsieur! Monsieur, oui, vous, dites-moi, ça vous plaît de travailler? Ça se voit pas, non. On se fend la gueule. Vas-y, tonton, chante! Chantons la blouse, la blouse, la blouse, la blouse. Mon chéri, ça me donne envie, vraiment, ça me donne envie, là, je te jure. Vas-y. J'ai envie, là. Attends, bouge pas. Attends, attends, bouge pas, chéri. Bouge pas, tu vas voir, tu vas voir. Attends, regarde-moi ça, t'as vu? T'as vu? Regarde-moi, regarde, il a... Non, non, pas maintenant, Albert. Ah, non, c'est non. Vite fait, là. Je touille, t'as vu à côté, là, le bordel, là? Oh, oui. On y va? On y va, là? Mais pourquoi faire? Bah, pour se détendre, quoi. Tu veux faire comme eux, là? Tu plaisantes? T'as pas envie, toi? Vous allez pas me dire que vous allez faire comme eux, non? Alors là, tu vas voir, je vais te faire un truc, tu vas voir. Toc, 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 tu vas voir, je vais te faire un truc, c'est génial. Toc, toc, toc. C'est tout? Ça fait un moment que je vais te dire quoi? J'ai envie de te prendre par derrière. J'ai envie de te prendre par derrière. Doucement, bouge pas, petite coquille. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vas-y, quoi. Mais il est froid, ton truc. Chloc. Serre les fesses, chérie. Pas ça. Faut pas vous gêner, c'est un comble. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Non, qu'est-ce que tu fais à ma sœur, toi? Si je t'attrape! Tu crois que je t'ai pas entendu, là? Mon Dieu. J'entends tout, moi. Et ça devient n'importe quoi. Je vais finir par me fâcher. Et vous savez quoi? Je vais vous transformer en homme. Avec un gros carnet de chèques.